Donc bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir premier pas de découverte du cours de TCBO, Tronc commun, baccalauréat international, option français. Dans la première vidéo, nous allons voir le programme. J'essayais de faire ces vidéos en français pour que tout le monde puisse suivre ces cours-là, que ce soit les Marocains, les Algériens, les Tunisiens, tout le monde en fait. Donc le programme du tronc commun sera comme ceci, gravitation universelle. Dans ce cours, nous allons voir l'ensemble des forces gravitationnelles, que ce soit la force exercée par la Terre sur les corps ou les célestes entre eux. Deuxième cours, exemple d'action mécanique. C'est la suite du cours que vous avez vu la dernière année en troisième année secondaire collégiale. Les actions à distance, les actions réparties, les actions de contact, etc. Le mouvement aussi, c'est l'allongement de la mécanique de troisième année, la vitesse, la distance d'arrêt, distance de freinage, etc. Le principe d'inertie, nouvelle notion pour vous, mais c'est facile, inshallah. Nous allons voir les détails de ce cours-là. La tension d'un ressort, ou bien et la poussée d'Archimède, ou bien l'équilibre d'un corps sous l'action de trois forces. Normalement, c'est deux parties ou trois. La première partie, c'est la tension d'un ressort. La deuxième, poussée d'Archimède. Et la troisième, l'équilibre d'un corps sous l'action de trois forces. Si vous voulez, c'est la suite de le cours de troisième année consacré pour l'équilibre d'un corps soumis à deux forces. Voilà, c'est la deuxième partie, la troisième partie, pardon. L'équilibre d'un corps sous l'action de trois forces. Ensuite, nous allons voir l'équilibre d'un corps solide en rotation autour d'un axe fixe, moment d'un couple de forces, moment d'un couple de torsion, le chapitre très essentiel et très important en baccalauréat, courant électrique continu, c'est déjà vu le courant électrique, mais avec plus de détails. La tension électrique, l'association des conducteurs ohmiques, on a vu en troisième année. Qu'est-ce qu'un conducteur ohmique? En ce cours, nous allons voir l'équivalence d'une association du conducteur ohmique, que ce soit en série ou en parallèle. Ensuite, les caractéristiques de quelques dipôles passifs. Nous allons voir premièrement qu'est-ce qu'un dipôle passif et ensuite les caractéristiques. Transistor, un chapitre complémentaire. Voilà ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, c'est les chapitres de physique. Ensuite, à partir de là, nous allons voir les chapitres de la chimie, les espèces chimiques, l'action, la séparation, l'identification des espèces chimiques. Une petite partie de ce cours est déjà vue en deuxième année collégiale. Comment séparer deux espèces chimiques, les mélanges, etc. La synthèse, nouveau chapitre pour vous. Nous allons voir les détails, Inch'Allah. Le modèle de l'atome. Vous savez bien qu'est-ce que ça veut dire l'atome, mais dans ce cours, vous allez voir plus de détails, Inch'Allah, concernant l'historique de l'atome, la géométrie, les constituants, etc. Voilà la géométrie de quelques molécules. Vous savez que une molécule est un ensemble d'atomes, que ce soit des atomes de même nature ou de nature différente. Mais la géométrie de quelques molécules, c'est une notion, si vous voulez, nouveau pour vous. La classification périodique, un cours très important en chimie. L'objectif de ce cours, c'est placer ou classifier les éléments chimiques selon leurs propriétés. Il y a un savant qui s'appelle Mendeleïev qui a développé un tableau pour classifier les éléments chimiques. Notre objectif est de comprendre ce tableau et savoir comment ce savant qui s'appelle Mendeleïev, comment développer ce tableau selon les propriétés des éléments chimiques. Voilà. La quantité de matière, notion très importante en chimie. Nous allons voir les détails, Inch'Allah. La concentration molaire des espèces moléculaires en solution. Et ensuite, la modélisation des transformations chimiques. Bilan de la matière. Voilà, c'est le programme de physique, Inch'Allah. Je ne veux pas oublier de remercier les professeurs qui contribuent à développer ce site pc1.ma, surtout le professeur Ibrahim Tahiri.
Merci Ibrahim Tahiri pour ce partage qui est très important et très bénéfique et très riche pour les élèves. الدارجة المغربية بانت حيتاش كنرتاحو بزاف في الدارجة، ولكن كنلقى بزاف ديال المتابعين ديال القناة ماشي من المغرب، بالتالي كيطلبوا ان الدروس مرة يكونوا بشي لغة باينة اللي هي يا اما الفرنسية ولا العربية، بما ان هاد لي كور مديورين اصلا بالفرنسي ما يمكنش نبقاو نعاودو نشرحوهم بالعربية الفصحى، وبالتالي نخليو كل شيء بالفرنسي حتى الشرح ان شاء الله يكون بالفرنسي. ميرسي بور فوتر اتونسيون، اللهم يسر، الله يعاونكم، الله يوفقكم.